la famille royale et la BBC seraient en désaccord sur un documentaire controversé centré sur le prince William et le prince Harry. Maintenant, express.company.uk demande aux lecteurs si la monarchie ou la BBC ont plus de valeur pour la nation, votez dans notre sondage. Buckingham Palace, Kensington Palace et Clarence House ont pris la rare mesure de publier une déclaration conjointe en réponse au documentaire de la BBC. The Prince and the Press, diffusé lundi. La déclaration, diffusée à la fin du documentaire, disait « Une presse libre, responsable et ouverte est d'une importance vitale pour une démocratie saine ». Cependant, trop souvent des affirmations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits et il est décevant quand n'importe qui, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. Point. Selon le Mail on Sunday, le palais avait menacé de cesser de coopérer avec la BBC dans de futurs projets si un droit de réponse n'était pas accordé. Une source royale de haut rang a déclaré au Mail on Sunday que la reine était « bouleversée », que le documentaire, titubant, ait été diffusé sans que le palais ait eu la chance de le voir en premier. Le programme décrivait la poursuite sans fin de la vie privée des princes par la presse. Tout en explorant les scandales royaux du passé. Dans l'émission de la BBC, différentes versions de la même histoire de « Tiara Gate » ont été présentées, y compris un récit affirmant que le prince Harry avait été réprimandé par la reine pour avoir crié sur une commode royale. Des révélations plus sérieuses ont été découvertes dans le programme, alors que l'enquêteur privé Gavin Bureau a affirmé qu'il avait ciblé l'ex-petite amie du duc de Sussex, Chelsea Davy, pour surveillance lorsqu'ils sortaient ensemble. Monsieur Bureau a déclaré, il y avait beaucoup de piratage de messagerie vocale, il y avait beaucoup de travail de surveillance sur Chelsea Davy sur ses téléphones, sur ses communications. Le présentateur, Amol Rajan, a poussé Monsieur